Bonjour à toutes et à tous. Dans ce numéro d'Archi à l'Ouest, nous vous proposons de partir à la découverte des bancs. Les bancs publics, un élément parfois invisible et pourtant recherché lorsqu'il manque dans l'espace public. En Côte d'Armor, depuis 10 ans, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement conseille les communes pour construire elles-mêmes ce mobilier à installer dans l'espace public. À Lanvalet, les jeunes de la commune sont associés à la fabrication des bancs pendant leurs vacances et à Plédran, le mobilier sobre s'intègre parfaitement dans les espaces naturels, comme le bois de la commune. Les bancs publics, c'est tout de suite, et c'est dans Archi à l'Ouest. Thierry Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans les locaux du service technique de la ville de Lanvalet. Alors ici, on fabrique les bancs de la commune. Est-ce qu'en fait, dans cette commune, il y avait assez peu de mobilier qui était installé au départ? Assez peu, le mot est doux même. On pourrait dire qu'il n'y en avait quasiment pas du tout. Il n'y en avait quasiment pas. Sur une commune comme celle-là, on est 4300 habitants à Lanvalet. Il devait y avoir 5-6 bancs qui se battaient en duel. Et là, pour le coup, on a installé une quarantaine de bancs dans un premier jet. Et là, c'est une deuxième vague de bancs, mais cette fois-ci beaucoup plus personnelle, puisqu'on est parti sur ce schéma proposé par Didier Pidou, qui nous convient parfaitement, à la fois bancs locaux, avec des matériaux locaux, fabriqués par les services techniques, à la mesure, on les fait à la demande, donc suivant les lieux et suivant les besoins, et on fait participer les jeunes au travers du système, enfin du dispositif argent de poche, donc les adolescents. Et ben justement, on va les entendre, ces jeunes qui participent au montage des bancs, pour avoir leur avis justement. On construit les bancs pour qu'ils soient placés dans la commune, pour que ça contribue aux gens, pour qu'ils puissent venir se reposer dessus et en profiter. Mais ils sont originaux et je les trouve très beaux parce qu'ils sont assez simplistes et pourtant, j'ai déjà fait tout ce que je fais là, mais c'est intéressant de le faire avec d'autres personnes autour de moi. Et... Ce qui est assez sympa aussi, c'est au niveau de la fabrication, c'est assez rudimentaire en fait, mais en même temps, ça permet aux jeunes de les réaliser quasi de A à Z. Le but, c'était de faire participer en même temps les jeunes, mais aussi au niveau de l'équipe, que ça puisse tourner, que chacun des membres de l'équipe puisse prendre part au projet. Ça permet aussi de changer un petit peu de leur quotidien, et puis une implication, ça donne une dynamique positive au sein de l'équipe. C'est assez intéressant de partager sur l'ensemble des projets, quoi. Thierry Nicolas, quand on parle de mobilier urbain, il faut prévoir, il faut dimensionner, il faut faire du costaud, il faut faire du solide. Mieux vaut à la fois du costaud et puis aussi de l'ergonomique, évidemment. Mais là, on est parti sur un modèle qui est quand même relativement design. Et c'est assez technique, ça paraît très simple comme ça. Ouais. Et finalement, c'est technique. Il y a des petites rondelles qui sont insérées. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi et comment? Oui, en fait, ça, c'est des petites astuces qui nous ont été communiquées justement par Didier Pidou, encore une fois, toujours lui. En fait, il a rajouté des petites rondelles, des épaisseurs de rondelles pour permettre d'avoir une inclinaison de certains madriers. Je dis madriers parce que les planches sont quand même relativement épaisses. Donc, certaines planches et qui permettent d'avoir cette assise confortable et agréable. Donc, c'est un petit secret de fabrication qu'il n'y a pas forcément sur les bancs de catalogue. Sur le partenariat, d'être conseillé et d'être accompagné par un organisme comme le CAUE, vous, en tant qu'élu, c'était un réel plus, particulièrement sur cette thématique du mobilier urbain? Nettement. Pour nous, c'était indispensable. Déjà, on profite égoïstement, entre guillemets, de l'expertise de Didier Pidou dans ce domaine-là, qui, lui, a fait une recherche. C'est un travail de longue haleine pour lui, en fait. C'est l'aboutissement, en fait, de plusieurs essais de bancs, de fabrication de bancs. Et là, on arrive à un stade de maturité, on pourrait dire, de fabrication et puis de rendu qui est remarquable. Thierry Nicolas, il y a de nombreuses unités là, qui sont fabriquées. Vous en fabriquez combien de bancs actuellement là? Alors là, on est parti sur 4 modèles de bancs. On est en 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres et 5 mètres longueur linéaire. Et sur une vingtaine de bancs. On va écouter justement votre maire qui a donné aussi l'impulsion, parce que c'est lui un peu le chef d'équipe, équipe dont vous faites partie avec toute la municipalité. On écoute le maire de Lanvalet. On est attaché au sujet des bancs dans l'espace public depuis le début du mandat, où on s'est dit que l'espace public méritait d'en avoir davantage,
pour les habitants, pour des habitants qui se promènent et qui ont besoin de s'asseoir, etc. Si on veut un espace public utilisé, qui plaise aux habitants et qui, voilà, qui fasse sens, il faut pouvoir s'y poser, c'est le cas de le dire. Un, s'y poser, et deux, avec des objets qui ne soient pas que de l'utilitaire, quoi, qui rentrent dans le décor, qui rentrent dans l'esthétique du lieu. Là, de ce côté-là, on est assez bien servi. Ça va s'insérer dans des espaces que vous réaménagez aussi ? Alors, il y a à la fois des espaces qu'on va réaménager, effectivement, et ça, on a un peu tous les cas, on a des paysages assez différents. L'Anvalet est en bordure de Rance, jouxte la ville de Dinan, on se partage la Rance entre les deux, donc on va en installer sur le côté port, sur le port de l'Anvalet, enfin côté l'Anvalet en tous les cas. On va les installer aussi sur le nouveau jardin du pôle sportif qu'on est en train d'aménager, c'est un jardin concret qui fait à peu près 2 hectares. Tiens Nicolas, quel bilan vous tirez justement de ce partenariat, de se dire, on peut le faire nous-mêmes, la fameuse expression anglaise, do it yourself, là, on fait nous-mêmes les bancs, on prend en main un peu notre aménagement. C'est de l'engagement, de la réflexion, de la participation, tout le monde participe en fait, c'est ça qui est sympa, qui est bien même, ça me paraît assez indispensable en fait, pour qu'il y ait une implication de tous, et des agents techniques, du service technique, enfin aussi bien des agents que des élus, etc., c'est une collaboration, et puis d'intervention extérieure telle que celle du CAUE 22, c'est formidable. C'est un vrai travail en cohésion avec plusieurs entités comme ça, et on fabrique nous-mêmes. C'est vrai qu'on fait nous-mêmes. On choisit pas que sur catalogue, tiens, on va prendre ça, ça, ça. Non, non, là, on fait nous-mêmes. Thierry Nicolas, merci de nous avoir accueillis ici à l'Anvalet. Il y a un nom que vous avez cité à plusieurs reprises, celui de Didier Pidoux, qui est paysagiste pour le Conseil en architecture, urbanisme et de l'environnement des Côtes d'Armor. Eh bien, nous allons le retrouver à quelques kilomètres d'ici pour nous expliquer comment il a convaincu plusieurs communes, parce que vous êtes plusieurs dans ce cas-là, d'installer et de fabriquer du mobilier urbain. Didier, bonjour. Bonjour. Bon, alors on a beaucoup entendu parler de vous pour ces fameux bancs. Oui. On est ici à Plédran, donc autre commune. Et ici, les bancs sont en place depuis un petit moment. Oui. Dans quel contexte s'est mis en place ce projet de proposer aux communes de prendre en charge elles-mêmes la construction et l'installation du mobilier urbain, et en l'occurrence, ces bancs? Voilà. Alors, c'est un projet qui a commencé il y a 10 années sur différentes communes. Et ce modèle-là, en fait, c'est un modèle qui a été initié par le responsable de la Roche d'Agu, qui s'appelle Yvon Pellerin, et qui est le premier endroit où on a mis en place. Donc un endroit où le patrimoine est très important, ouais. Donc il fallait faire attention aussi à l'esthétique de ce mobilier. Tout à fait, et puis il y avait une raison aussi économique, enfin voilà. Et il y a 2 ou 3 ans, là, le responsable des services techniques, Michel Fraval, nous a fait appel pour... trouver des solutions d'aménagement du bois de Plédran. Et il y avait aussi, bien sûr, l'aménagement de ce pump track, où il y avait une volonté de mettre en place une table et des bancs. Donc voilà. On va voir justement comment les élus ont appréhendé cette question ici à Plédran, avec M. Joss, qui est l'adjoint en charge de l'aménagement urbain. Ça nous permet que, vu que les gars sont capables de le faire, d'en mettre beaucoup. On en a mis partout dans la commune, parce qu'il y a une réelle demande pour les bancs, surtout les personnes âgées, et on a beaucoup de personnes âgées. Et puis tous les gens disent que c'est bien, alors on va... C'est une réussite. On a des bancs qui étaient autrefois autour du bourg, enfin autour de l'église, qui étaient faits en tôle, qui n'ont jamais servi, parce que la tôle, c'est chaud l'été et froid l'hiver. Parce que là, le bois, ça reste agréable et confortable. Voilà, retour au pump track ici, c'est ça? Voilà, cet équipement où les jeunes peuvent, les enfants peuvent faire différents sports de glisse. De glisse. Didier, ces bancs, oui. ils paraissent très simples, mais ils ont des particularités. Ils sont très ergonomiques, même s'ils ont un aspect assez rustique. C'est le dernière évolution de 10 ans de travail qu'on a fait sur différents modèles dans différentes communes. Et c'est le modèle le plus abouti, mais simplement, c'est qu'on a réduit le nombre de pièces. Hein. Par exemple, pour ce banc-là, il n'y a que... celui-ci, il n'y a que 2 pièces. Hein. C'est le 28, hein, qui est un bastin en douglas. Donc le bois. Le bois, qui est coupé chez un scieur local, hein, à Binic. Et les éléments en acier sont en acier corten,
Et ces éléments sont fabriqués aussi chez un petit ferronnier du côté de Plouézal. Et donc, sur ce modèle sans dossier, il n'y a que deux éléments. Mais par contre, on peut rajouter un dossier, il y a un troisième élément, et c'est suffisant pour fabriquer le modèle. Et il est adaptable. Celui-ci, c'est un modèle qui est aussi agréé pour handicapés, vous voyez, parce qu'en fait, le fauteuil peut venir se mettre sur le côté, et comme ça, il n'y a pas de discrimination. Il faut prévoir effectivement des mobiliers très résistants, parce qu'on est dans l'espace urbain, donc c'est soumis... À la rue des Preuves, c'est mis à rue des Preuves, comme on dit. Tout à fait. En plus, ici, on est dans le pump track, donc on sait que le mobilier urbain peut être assujetti à des systèmes de glisse, de skate, des éléments comme ça. Donc là, il n'y a aucun problème de durabilité. Hein. Et si jamais il y avait un problème, c'est en fait un élément simple, hein, c'est du 28, c'est une section de charpente traditionnelle qui fait qu'on peut la remplacer, mais... Pour arriver à cette usure de 8 cm, il y a du travail encore. Dans quel rapport de coût on est sur ces bancs, Didier ? Voilà. Donc on est sur un banc en 4-5 mètres, il est à peu près à 400 euros. Hein, sachant que le mobilier sur catalogue traditionnel, un des moins chers, il est dans les 380-400 aussi. Donc le même prix ? C'est le même prix, sauf qu'on a deux fois plus de dimensions. En dimension. Et puis on est surtout sur des matériaux un peu plus... qualitatif, quoi. Le CUE des Côtes d'Armor, structure pour laquelle vous travaillez, a décrété que 2020, c'était l'année du banc public, 10 ans de banc public. C'est une thématique sur laquelle vous travaillez depuis de nombreuses années et vous avez voulu vraiment lancer un message aussi, de dire on peut le faire, vous pouvez le faire. Oui, donc ce système, il est assez facile à faire. Hein. En général, je passe une demi-journée avec les services techniques, hein, ou les bénévoles pour expliquer le mode d'emploi, hein, parce qu'il y a des petits trucs, des petites astuces. Hein. Et en fait, on a mis en place sur notre site internet un document qui est un document open source où les gens peuvent prendre les plans. Hein, toutes les mesures, tous les éléments sont open source. Ça permet aussi de voir les différents contextes parce qu'on a une quantité importante de communes sur lesquelles ils ont déjà mis en place ce système-là. Enfin, il y a plein de petites communes sur lesquelles on a travaillé et sur lesquelles on a installé. Et la grosse commune ici à Plédran où on a fait dans le bois de Plédran différents aménagements, différents espaces où on a pu installer ces éléments. Et puis on peut l'adapter aussi pour un usage domestique et personnel. Voilà. Merci beaucoup Didier de nous avoir entraînés dans l'univers de ces bancs publics, hein, une thématique particulière. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes architecturales. À très bientôt.